Allez, salut, bonjour à tous, bienvenue sur Gaming News, vous êtes bien avec Wack sur Spelunky 2. On est parti pour une nouvelle run, on va choisir un nouveau personnage. Tiens, allez, on joue avec le petit robot. Ça change encore une fois rien au gameplay, c'est juste histoire d'avoir des tronches différentes. De robots vont nous permettre d'aller plus loin. On sait jamais. Ah, il a aussi des expressions de visage différentes selon s'il fait un effort ou pas. C'est marrant. Pour un premier niveau, c'est pas mal du tout. Non, y a rien de plus. C'est marrant, on dirait qu'il clignote quand il y a un danger. Bon, c'est rigolo. Et voilà, je vais pas m'emmerder à aller ramener Cheyenne pour gagner 3000 pièces. Je préfère gagner un peu plus de vie. C'est bizarre ça. Ah non, la flèche a déjà été tirée, ok. Et voilà, hop, 2 points de vie supplémentaires. Ça se refuse pas, là par contre, c'était sûr que c'était pas. En plus Yann était complètement de l'autre côté d'un autre mur, j'avais pas pété des bombes juste pour ses beaux yeux. C'est beaucoup mieux comme ça. Pour le tuer celui-là. Bon, bah, tant pis, hein. Je l'ai tué trop vite. On ira à Vulcania.
finir avec 10 points de vie, ça va être exceptionnel. Alors, est-ce que je vais m'acheter des cordes? Toujours utile. Lui est carrément tombé dans la lave. Comme un idiot. Pas du tout fonctionné comme je voulais cette affaire. Tant pis. Ouais, je peux passer par là. Ok. Ça va être un petit peu chaud, mais. Comme j'ai les bottes, de toute façon. Et que j'ai masse de vie. Ça va le faire. J'avais oublié que j'avais les gants. Allez, Mr. Van Orson. J'ai pas besoin de cordes, hein. Tout ce qu'il faut. Je voudrais bien de la colle. Hein. Ça, ce serait chouette. J'espère trouver de la colle dans le prochain magasin. Parce que sinon, ça va vraiment être la merde. Ça m'étonne que ça coule plus. Ah, j'ai bien fait. Ah, oh, bah ça c'est magnifique. Merci monsieur. Ah, j'ai bien fait de fouiller. 25 bombes, ça commence à être intéressant. Alors c'était pas de la lave, c'était un monstre de feu. Si c'était de la lave, je serais mort. On va attendre qu'il s'en aille, on va pas prendre de risques. C'est vrai qu'un robot avec une cape de vampire, c'est... On n'y a jamais pensé. Y'a un truc par là. Est-ce que je peux y aller par ici? Oui. Oh, évidemment, j'ai pas les moyens. 45 000 le canon à plasma, merde. Bah non, le canon à plasma, c'est juste une dinguerie. En fait, pour ceux qui ont joué au premier, bah, vous en souvenez, c'est une arme qu'on peut obtenir quand on va dans le vaisseau alien. Et bien, pour ceux qui n'ont jamais joué au premier, ce sera une surprise pour une autre fois. Voilà. De la merde. Voilà, je pense que là. Fanor Sanet ici.
Merci beaucoup. Eh ben, on peut s'en aller. Faites attention. Ouais, moi, j'assume pas vos conneries. Il y en a deux qui est mort, j'ai entendu. Allez. Bon, il y en a qu'un qui est mort sur les quatre, c'est pas mal. Ça fait peur cette conne. J'ai pas envie d'aller le voir, quoi. Non mais... C'est vraiment des abrutis, c'est impressionnant. Allez. Et donc là ce qui serait bien c'est que je trouve une monture pour la suite. Alors si en plus je trouve une petite bestiole à sacrifier, ça peut me filer le cap à là. Ah, j'ai vu un poulet. Ah, bah écoute, je vais aller voir ce qui se passe. Hein. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Le truc c'est que le fusil, j'en ai pas besoin contre le mec. J'en aurai forcément besoin plus tard. Mais je ne peux pas prendre le fusil et une monture. Enfin, je peux. Bon, un. Achat compulsif, bonjour. Allez, on se concentre. Ouf. Alors, par où il va? Il va dans le bon côté. Là, l'objectif c'est pas de battre le mec, c'est de sortir de ce guêpier avec ma monture. Oups. Et bah voilà. Génial. Ça sera pas pour cette fois.